اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Aujourd'hui, vidéo recette de A à Z. Vraiment, je vous donne toutes les recettes que j'ai pu faire sur cette belle table de Ramadan. Mashallah, c'était dimanche, je n'avais plus rien, plus de reste, plus de pain, plus de dessert, plus rien, je devais tout refaire, voilà. Alhamdoulilah, Rabbi, c'était dimanche, on a remonté les manches, et puis bien sûr, on est rentré en cuisine pour faire d'excellentes recettes, et bien entendu, je partage tout avec vous, vous retrouverez les ingrédients en barre de description concernant le pain, un pain bien brioché, bien gonflé, et aussi les brioches, bien moelleuse, vraiment très 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 moelleuse, du trampoline comme j'appelle ça, hyper simple à faire, vous allez voir, je vous montre les détails, je vous explique tout, et ben il n'y a plus qu'à, allez c'est parti. Dans le bol de mon robot, j'ai 500 g de farine, auquel je vais rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère, du sel, l'équivalent d'une cuillère à café non remplie, et je vais rajouter du sucre. Alors le sucre, c'est selon vos goûts. Moi, comme je sais que je vais les garnir, hein, je vais mettre un petit peu sur le dessus de la confiture, j'ai mis 4 à 5 cuillères, voilà, à peu près 50-60 g de sucre en poudre. Ensuite, j'ai deux œufs. J'ai un œuf, entier, et j'ai séparé le blanc que j'ai mis avec la pâte à brioche, et le jaune, je le laisse pour la dorure. J'ai rajouté 150 g de lait, du lait tiède pour activer la levure boulangère. Ensuite, je laisse... Non, pardon, pas 150, j'en ai rajouté un petit peu plus. J'étais à 170. Voilà, j'ai rajouté par la suite 20 g. J'ai mis en tout 170 ml de lait tiède. Je laisse bien pétrir, bien mélanger jusqu'à ce que ça se forme une boule, que ça se détache des parois du bol. Et je rajoute 60 g de beurre à température ambiante, du beurre bien mou, et je laisse bien mélanger, voilà, qu'on obtienne une pâte à brioche bien moelleuse, filante et aussi bien homogène. Par la suite, je recouvre et je laisse tranquillement reposer, bien gonfler. Je m'attaque au tagine. À savoir, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, hier, j'ai posté une vidéo spéciale tagine avec plusieurs recettes. Il y en aura d'autres par la suite, Inch'Allah, notamment du sucré salé. Voilà, je vous l'ai proposé, vous m'avez vite répondu, mais vous m'avez dit oui, je veux du sucré salé. Et aussi, je vous montrerai très très vite comment je fais le fameux tagine avec les boulettes de viande, tagine kefta avec les œufs. Voilà, vous avez déjà la vidéo, hein, comme je vous ai dit hier. Juste pour revenir un petit peu, je fais revenir l'oignon et l'ail avec un petit peu d'huile jusqu'à ce que ça soit bien translucide. Voilà, on met le couvercle, on laisse à feu très doux jusqu'à ce que ce qu'il soit moins croquant. Par la suite, je rajoute la viande, je sale des deux côtés, je laisse reposer aussi un petit peu, quoi, mijoter, pardon. Et je rajoute mes épices, du poivre, du curcuma, du gingembre.
Je peux rajouter aussi une cuillère à soupe de purée de tomates, du persil, de la coriandre, et ensuite, par la suite, voilà, je fais revenir un petit peu sur le feu, et par la suite, je rajoute mes légumes que je vais saler, poivrer, et mettre un petit peu d'ail en poudre, et je laisse cuire vraiment à feu très très doux en recouvrant. Ici, je vais faire des briques à la pomme de terre et au thon. J'ai des pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau. Et une fois qu'elles sont prêtes, voilà, je les égoutte, bien entendu, et je vais vite les réduire en purée. Voilà, ça va beaucoup plus vite et c'est mieux quand elles sont bien chaudes. J'attends un petit peu. J'ai rajouté un œuf entier, un petit peu de fromage râpé, du thon, des olives en rondelles, coupées en rondelles, du persil, de la coriandre et comme assaisonnement, du sel et du poivre. Attention, si on a déjà salé au préalable les pommes de terre. Voilà, je mélange. Et ensuite, je vais faire des briques comme ceci, en triangle, des samoussas, ou bien en forme rectangulaire pour avoir des cigares. Je ne vous ai pas montré comment j'ai plié. Hein, maintenant, tout le monde sait le pliage. Voilà, très facile à faire. Et une fois voilà, que j'ai fait toutes mes briques, moi, je vais les faire cuire au four. C'est moins calorique. On utilise beaucoup moins d'huile. Au vu du prix, et en plus en ce moment il n'y en a presque plus, je prends un petit peu d'huile et je mets de la sauce soja, ou bien je peux mettre aussi du paprika. Voilà. Ou de la sauce soja ou du paprika pour donner un petit peu de coloration. Et je badigeonne recto verso, dessus, dessous, et hop, au four. Ici, je vais faire une soupe d'orge. On appelle ça le hsoua, c'est très facile et c'est très très sain, bon pour la santé, c'est vraiment excellent. J'ai de l'eau, voilà, là c'était de l'eau de la bouilloire pour aller vite, vous allez voir, ça va vite, vite partir en ébullition. J'ai un oignon que je vais venir râper ou bien vous mixez vraiment très finement, vous coupez très 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 finement, il faut que ça limite, on ne le sente pas en bouche. Voilà, de l'huile d'olive, du sel, du cumin. Et j'ai du thym, voilà, j'ai du thym séché que je viens râper, frotter à la main, ou bien le thym que vous avez vous, et je laisse prendre un petit peu, je laisse cuire l'oignon, il faut bien laisser cuire l'oignon, hein. Regardez pas juste les images, écoutez bien s'il vous plaît, c'est important, là les explications, je laisse cuire un petit peu, et par la suite je vais rajouter mon orge, voilà, vous en trouvez de partout maintenant, vraiment de partout, même en grande surface. Vous avez au rayon spécial monde, vous en trouvez. Moi, c'est de la semoule d'orge moyenne. Voilà, vous pouvez mettre de la fine, ça va aller plus vite. Mais c'est vrai qu'en bouche, moi, je préfère la moyenne. Et je vais laisser cuire. Je vais laisser cuire à feu doux, tranquillement, comme un petit peu. Bah, c'est exactement comme du riz, des pâtes. Voilà, mais ça va un petit peu plus vite. Et vraiment, une fois que c'est cuit, mais vraiment, quand c'est cuit. À ce moment-là, je vais rajouter du lait. Vous allez me demander les quantités. Alors, les quantités, j'ai fait ça à vue d'œil. Moi, j'ai mis l'équivalent d'un bol de semoule d'orge moyenne parce que j'ai fait une grosse quantité. J'ai fait vraiment une grosse quantité. Mais mettez vraiment juste un petit verre. Vous allez voir, vous allez en avoir beaucoup. Ça va vous donner une bonne quantité. Juste un petit peu de semoule d'orge fine ou moyenne, vous allez avoir une grande quantité de soupe. Il suffit de mettre de l'eau à ébullition, de râper votre oignon, du sel, du cumin. Vous pouvez rajouter aussi, bien entendu, de l'huile d'olive. Ça rajoute du goût et c'est super bon avec. Vous laissez bien chauffer, bien cuire l'oignon. Et par la suite, vous rajoutez votre semoule d'orge que vous laissez cuire aussi, comme du riz, comme des pâtes. Et ensuite, au dernier moment, quand c'est cuit, je rajoute du lait. Alors normalement, c'est du lait concentré. Le lait, vous savez, en boîte, mais non sucré, hein. Voilà, c'est une soupe. C'est non sucré, du lait concentré, où vous pouvez remplacer par du lait. Pour vous dire, j'ai fait une grosse quantité. Moi, j'ai mis carrément un petit peu plus d'un litre. Voilà, je laisse cuire un petit peu, je laisse réduire. Si, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment vraiment que ça soit bien épais, il y en a que ça soit plus liquide. Si vous voyez trop de liquide et vous voulez que ce soit un petit peu plus épais, vous laissez réduire sur le feu et l'eau va s'évaporer et voilà, vous aurez moins de liquide. Et de toute façon, après la cuisson, ça devient un petit peu plus compact, moins liquide. Concernant la brioche,
Je l'ai dégazé. On dégaze toujours une pâte quand il y a de la levure boulangère. Ensuite, je l'ai divisé en petites boules. Je viens prendre un verre, voilà, que je farine légèrement. Et je viens aplatir au centre. J'insiste un petit peu sur le tour, tout autour. Voilà, parce que regardez, ensuite, je les ai laissés reposer une quinzaine de minutes pour gonfler un petit peu. Voilà, ça gonfle bien. Et avec le jaune d'œuf qu'il me restait tout à l'heure, que j'ai laissé spécialement pour la dorure, j'ai mis un petit peu de lait pour casser l'odeur de l'œuf prononcé et pour pas dorer aussi rapidement. Voilà, parce que souvent ça va venir dorer et ensuite ça va venir cuire et puis après, voilà, on se retrouve avec une dorure assez prononcée. Je fais tout le tour et au centre, je viens poser de la confiture. Vous pouvez remplacer par de la crème pâtissière ou bien de la pâte à tartiner. Voilà, on peut mettre aussi pour un petit peu de déco des amandes effilées, des pépites de chocolat, des vermicelles en chocolat, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, je viens en mettre au centre et je vais venir enfourner. Voilà, je vous donne pas de temps de cuisson, je suis désolée, avec mon four traditionnel et qui est assez long. Voilà, c'est pour ça que je vous donne pas, mais voilà, c'est à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Ça dépend vraiment de chaque four, hein, vraiment. Ici, du pain à la turque, bien brioché. J'ai 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre en poudre, ou bien on remplace par du sucre, 40 ml d'huile, j'ai de la farine aussi, je vous mettrai tout en barre de description, je mets une petite partie, j'ai 400 g de farine, je mets une petite partie d'abord dans le bol, je laisse un petit peu mélanger, et par la suite je rajoute le restant et je rajoute aussi le sel. Voilà, j'ai rajouté à la fin le sel. N'oubliez pas, on vient laisser bien pétrir. Alors moi, j'ai laissé pétrir au moins 15 minutes. Vraiment, c'est très important parce que c'est une pâte bien liquide. On laisse bien pétrir, on recouvre et on laisse tranquillement reposer. J'ai laissé reposer 45 minutes, voire 1 heure. Voilà, la pâte est liquide. On la laisse bien travailler, c'est important. Et on la laisse bien gonfler. Les brioches sont prêtes, elles sont bien cuites. Tout autour, j'ai mis de la confiture à l'aide d'un pinceau pour pouvoir faire tenir la noix de coco. Un petit plus, une astuce, vous pouvez faire dorer un petit peu la noix de coco. Ça donne un goût supplémentaire et franchement, même visuellement, c'est un petit peu plus joli que la noix de coco blanche. Mais même blanc, voilà, c'est joli, mais la prochaine fois, je vous montrerai. C'est très très simple. Sur une poêle, je fais revenir. Voilà, je fais des petits va-et-vient. Attention à ne pas faire brûler parce que ça va très vite, hein, à feu hyper doux, bien entendu. On laisse dorer un petit peu, on laisse reposer, le temps de refroidir, tiédir et hop, on peut décorer avec. Même pour un gâteau, c'est super super beau. Ici, un coulis de fraises rapide à faire. J'ai pris des fraises surgelées avec un petit peu de sucre en poudre. Voilà, et je laisse bien cuire sur le feu. Pareil, à feu doux, c'est important le feu doux, voilà, pour pas faire brûler, bien sûr, et laisser cuire les choses. Si c'est liquide, je laisse tranquillement jusqu'à ce que l'eau s'évapore, pardon. Et voilà, comme ça, je pourrais par la suite mixer tranquillement. Alors, à savoir, pour 250 grammes de fraises, moi, je mets 100 grammes de sucre en poudre pour faire un coulis de fraises. Voilà, là, j'ai fait comme ça. Voilà, vraiment comme ça, sans peser, mais quand je fais un gâteau et qu'il me faut vraiment une bonne quantité, une barquette de 250 grammes de fraises avec 100 grammes de sucre en poudre et je laisse bien cuire et bien réduire. Alors, certains voulaient du fromage blanc, moi je voulais avec monsieur de la faisselle, c'est super bon. Voilà, et puis les enfants ils m'ont dit oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est nature un petit peu de, malheureusement, un petit peu de sucre. Bon, au moins ils l'ont mangé, voilà. C'est un dessert très très frais, et rapide, mais rapide à faire. La pâte à pain turque a bien
gonflé, bien, bien, bien gonflé. J'ai laissé bien reposer tranquillement à l'aide d'eau, voilà, que j'ai mis dans un bol pour pas faire les allers-retours dans le lavabo. Ou bien, vous pouvez aussi mettre de l'huile. C'est comme vous voulez, ou de l'eau ou de l'huile pour ne pas attacher. Ça ne s'attache pas sur vos mains, regardez la preuve. Voilà, si je mets pas d'eau, et ben franchement, ça colle. Alors, un petit peu d'eau et hop, je viens dégaiser la pâte d'un premier temps, la diviser en deux et ensuite je viens l'aplatir sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, comme ça ne s'attache pas non plus. Sinon, il faut rajouter de la farine. Là, je veux rajouter rien du tout. Et je fais ma petite déco. Alors, c'est vrai que là, dans mon pain, sur ma table, j'avais pas cette petite déco parce que je l'ai laissé reposer un petit peu plus. Voilà, j'avais fait juste après celui-ci. Et ça a eu le temps de bien gonfler, voilà. Mais on voyait sur le premier, on voyait un petit peu sur le premier. Et là, j'ai laissé gonfler juste le temps de faire le premier, le deuxième, pardon, le deuxième pain. Sinon, vous laissez 5 minutes, voilà, le temps de chauffer votre four. Hop, de la dorure, il me restait de la dorure. Et puis après, vous mettez les graines que vous avez. Moi, j'ai mis graines de pavot, graines de sésame blanc. Vous pouvez mettre des graines de sésame doré. Vous pouvez laisser tel quel aussi. Vraiment, comme vous le souhaitez. Et voilà, monsieur s'occupe du thé, du service de thé à la marocaine. Voilà, regardez-moi ça. Le thé est bien réussi. Oui, comme on le sait, avec la mousse qu'on a là sur le dessus. Ça, c'est un bon thé à la menthe. Voilà, et puis bah, notre table simple, mais en même temps bien complète, alhamdoulilah. Comme je vous ai dit, j'avais plus rien du tout. Il me fallait vraiment, il fallait bah, tout refaire et en même temps bah, d'être réunis à table ensemble. Voilà, et de rompre le jeûne. Le pain hyper, hyper gonflé, hyper brioché, vraiment. N'aplatissez pas trop le pain, sinon il sera assez fin. Voilà. Il faut, voilà, c'est un pain brioché. Il faut qu'il y ait un petit peu de mie quand même. Voilà, minimum. Voilà. Plus on aplatit, plus ça sera assez plat, malgré la levure. Regardez-moi cette bonne brioche trampoline, comme j'aime toujours dire, parce que en fait, quand on met le doigt, qu'on appuie dessus et qu'on l'enlève, eh ben, ça remonte tout seul. Ça veut dire que c'est bien moelleux, voilà, et que ce n'est pas pâteux à l'intérieur. Et ça, c'est très important pour une brioche. Les briques cuites au four, vraiment un pur délice. C'est beaucoup moins calorique, vraiment beaucoup moins calorique. La bonne soua, la soupe blanche, très bonne aussi pour la santé, vraiment c'est excellent. J'en donne aussi à bébé, elle aime bien. Voilà, le tagine aussi, un repas vraiment complet, alhamdoulilah, qu'Allah accepte notre jeûne, inchallah. Merci, merci infiniment du fond de mon cœur pour tous vos retours, merci. Vraiment, je sais pas quoi dire plus que merci. Il y a bientôt une grande, grande, énorme nouvelle. Alors soyez bien au rendez-vous. À très vite, Nsama. Bislama et likez. Bisous.